la fin du XIIe siècle, de nouvelles techniques vont renouveler l'art de bâtir. De puissants et importants chantiers vont surgir un peu partout en France, et en particulier en Normandie, où les maçons ne sont pas en reste d'invention. À Lisieux, où nous nous trouvons, l'évêque Arnoul rebâtit avec audace et dans le nouveau style gothique sa cathédrale romane. Tentative risquée, car les deux styles sont loin de cohabiter harmonieusement. Pile et lancée contre large pilier, arcature et contrefort contre mur épais, ouverture large et spacieuse contre fenêtres étroites comme des meurtrières, tout oppose les deux manières de construire. Mais l'évêque Arnoux, sans se laisser intimider par les contradicteurs, poursuit sa tâche et bientôt le bel animal gothique, tout auréolé de ses conquêtes, dévore à belles dents la construction primitive. Mais le style n'est pas tout. Que pense le curé du lieu de sa cathédrale ? Curé de cette cathédrale, depuis un an et demi, je suis heureux de m'y être retrouvé. C'est vrai que je connaissais déjà ce grand édifice qui permet d'avoir une élévation spirituelle vers Dieu et qui permet de vivre intensément sa foi, puisqu'ici il y a une ambiance de foi et de prière à la suite de bien des chrétiens, dont Thérèse Martin, qui sont venus ici. Et Thérèse, effectivement, a eu sa vocation dans cette cathédrale Saint-Pierre. Ainsi parle le père Lemaigre. C'est à l'intérieur de l'édifice que l'on peut le mieux mesurer l'habileté des constructeurs. La nef, comme si elle émergeait d'un mauvais rêve, se dégage des influences romanes pour se donner pleinement à l'art gothique. Alors, le nouveau style peut donner toute sa mesure, sveltesse des piliers, élégance du triforium, grande luminosité des fenêtres. La cathédrale n'est plus ramassée sur elle-même comme à l'âge roman, elle est tournée vers l'extérieur et navigue à travers le temps et les nuages comme un bateau qui cingle vers le port. C'est sans doute le cœur qui est le plus admirable avec son habit de lumière, car aucune construction précédente ne le contredit. Il a été enrichi au cours des âges et décoré au XVe siècle d'un jubé de belle facture. Las, un évêque du début du XVIIe siècle, Monseigneur de Matignon, en juge autrement. Sous prétexte de rapprocher les fidèles de l'autel, il casse le beau jubé. Par miracle, il en reste deux morceaux conservés dans la chapelle axiale, l'un représentant la crucifixion, l'autre la résurrection, de quoi faire regretter la disparition de l'ensemble. Derrière le chœur se trouve la chapelle de la Vierge. C'est un édifice considérable, près de 18 mètres de long. Elle a été voulue par Pierre Cochon, le même qui, comme grand inquisiteur, fit condamner Jeanne la Pucelle. Son corps, qui avait été caché pour ne pas susciter des réactions intempestives des fidèles, a été finalement retrouvé en 1931. Il repose désormais près de l'autel de la chapelle qu'il avait servi de son vivant à embellir. D'autres tombes plus anciennes décorent le pourtour de l'abside. Ainsi, ce curieux en feu qui date du début du XIIIe siècle et dont l'archaïsme n'est plus à démontrer. Dédié à la mémoire du sieur Guillaume de Rupierre, il représente au registre inférieur six anges assis face à face. Il déroule le parchemin retraçant la vie du mort dans une théologie tout aussi égyptienne que chrétienne. Dans le registre supérieur, deux anges emportent au ciel, dans un voile, l'âme du défunt figurée par un petit enfant. Un peu plus loin, autre gisant, image curieuse d'un évêque qui bénit d'une main
et brandit sa crosse de l'autre. C'est le XIIe siècle roman qui nous a légué cette représentation insolite. Des chanoines qui avaient soutenu Cochon dans son action, qui firent de la cathédrale un lieu de prière, il nous reste de curieux médaillons. Ces bas-reliefs portent tous l'effigie de la Vierge, tantôt souffrante, tantôt glorieuse. L'une de ces images est particulièrement aimable. La Vierge apparaît avec ses longs cheveux épars, telle la grâce supplantant la foi. Mais chaque siècle a apporté sa contribution à l'enrichissement culturel de la cathédrale. À côté du XVIe siècle, le XVIIIe nous a légué ces deux beaux anges, majestueux et sereins, qui montent la garde, le sourire aux lèvres. Mais le XVIIIe n'est pas seulement présent dans les sculptures, mais aussi dans les tableaux accrochés au mur des chapelles latérales. Ils sont en majorité dédiés à Saint-Pierre. Ainsi, on peut admirer cette composition de Lemonnier retraçant la résurrection d'une femme, Talite, par l'apôtre. Il s'agit d'une transposition de l'illustrissime tableau du Caravage, La mort de la Vierge. Dans les deux œuvres, une femme est allongée et barre de tout son corps la composition. Idée picturale superbe qui est un peu gâchée par les gesticulations de Saint-Pierre à la gauche du tableau. Autre morceau de bravoure inspiré également par les actes des apôtres, la délivrance de Saint-Pierre. L'apôtre, mis en prison par le roi Hérode, est délivré par un ange de lumière tandis que les soldats sombrent dans un profond sommeil. Là encore, une diagonale s'instaure de haut en bas et de droite à gauche, créant une agitation puis un tourbillon dans l'ensemble du tableau. Autre composition intéressante datant elle aussi du XVIIIe siècle. Elle est de Pierre de la Cour et relate la conversion de saint Paul. Le saint est renversé de son cheval avec violence, tandis qu'une lumière surnaturelle perce les nuages, éclaire, crie, fureur, et néanmoins une étrange douceur qui sort du tableau. Le XIXe siècle a lui aussi apporté sa contribution à l'ensemble. Il lui revient le mérite de nous avoir laissé des vitraux. Il fallait reconstituer et restaurer le peu de vitres qui restaient à la suite de la Révolution. Ce fut la tâche d'un grand restaurateur, Laurent Xell. Celui-ci, dans le vitrail consacré à Saint-Jean, a repris des morceaux authentiques mais a complété par des pastiches, pratiques que condamne notre époque, férues d'authenticité. Mais on ne peut néanmoins rester insensible à l'habileté du maître verrier du XIXe siècle. Dernier trésor de la cathédrale de Lisieux, il est plus humain qu'artistique. Il s'agit du souvenir de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait l'habitude de venir se recueillir avec sa famille dans cette chapelle. Son souvenir reste bien présent ici, ne serait-ce que par d'humbles lumignons, et cette statue qui tranche agréablement par sa facture avec les reproductions si souvent fades et doucereuses de la sainte. Thérèse trouve donc dans la cathédrale la dimension artistique qui manque habituellement à son témoignage. Ainsi, comme dans l'annonce faite à Marie de Claudel, la vieille cathédrale recrue d'années trouve son aboutissement dans le souvenir mystique de la sainte qui la parachève. De même, Pierre de Craon ne plaçait-il pas à la flèche de son monument le corps martyrisé de Violaine ?